Toute cette journée, beaucoup de voitures à passer, on va se régaler au fil de la journée avec Will Smith qui avait pris la 40e place. Il était là ce matin et je vais vous dire qu'il avait fait le show. Ce matin, on accueille dans un petit instant. Puis, il y a quand même 10 secondes. Allez, on va monter en puissance. Et ma foi, une belle accélération pour un régal. Tout à l'heure, et on va suivre les évolutions. Une petite sortie de route sur le côté avec écoutez beaucoup de spectacle, mais bien plus de fleurs. Ça a perturbé pas mal de monde, cette épingle qui a été relookée. On y passait en première l'an dernier, on y passe en deuxième maintenant. La voiture de Didier Sorin dans quelques instants. On est commencé et on va commencer à monter un petit peu dans les tours. C'est devant nous et nous devrions retrouver maintenant le haut du tableau dans quelques instants. Numéro 26 qui devrait partir dans quelques instants. Honda Civic que nous allons retrouver, je sais, Miller et Thor d'un très bon chrono ce matin. Avec les différentes voitures qui restent sur sa Honda Civic que nous devrions retrouver d'ici quelques secondes. Trouvez maintenant, et vous allez voir que juste après ça, eh bien, ça va s'enflammer avec sur les voitures. Ils vont très 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 vite. Attention maintenant, c'est la Caterham 7
que nous allons... Arthur et Martial, Lotus, Elise, R, il est en GT, il est en GT1 et on le retrouve dans quelques instants. On a fait un véritable beau travail ce matin alors que ça y est, c'est parti hein, pour... C'est parti pour Denis Basto, David Jomier, qui sont pour l'instant quatrième. Écoutez les moteurs. Sur le côté droit de Chambon. Pour Jomier, c'est une phénoménale depuis ce matin. Frédéric Rousseau, alors c'est derrière, ça arrive. Hein, avec changer un petit peu son départ, ça donne plus de rapidité pour arriver sur le premier gauche. Et en haut à droite, c'est une phénoménale. On a vu, ça va quand même beaucoup plus de vitesse. Les trois de Lara et ensuite, eh bien, là, c'est la là, on va le lubrifiant granulé de bois avec l'agent Ford. On va parler juste dans un instant coup sur ce type de circuit, mais je peux vous dire que c'est un régal que de l'avoir aujourd'hui. Alors, mesdames, messieurs, la montée sera retenue pour le scratch, c'est-à-dire victoire générale. On retrouver Chantreau, c'est la 161. Allez, on met toute la gomme nécessaire. Et ça va toujours aussi vite. Allez, la 150, voir si ça va un peu plus vite que tout à l'heure. De vous l'offrir. Allez, la 137, mesdames, messieurs, là ça commence à. On est au 29e, le temps scratch, et je peux vous assurer que c'est du bon boulot, parce qu'on se hisse parmi. C'est ça, c'est pour une raison, c'est de la GT, mais ça s'envoie, regardez, vous allez voir ça. Cela émet la puissance. Allez, on y va, c'est super. Avec 112 et 111. Les Jomiers vont-ils mettre un pied sur le podium? Regardez avec cette... On ira ramener toutes ces voitures pour les donner. C'est la deuxième montre. Regardez comme ça va vite. Regardez, écoutez comme ça va vite.
mesdames, messieurs. Le podium, oui, peut-être, pourquoi pas. Voici la 111 qui arrive avec. C'est tout à l'heure, Jean-Claude, Jean-Claude Viogue. Et ça va le 5. Oh, Jean-Claude, il est mieux, ça va plus vite, regardez. Elle, le 71, est avec nous, mesdames, messieurs, c'est Francky. Francky Maire, mais oui, Rudy Giou. La MC Fertois et ça peut. Hola, hola. Allez, attention, ça va plus vite. Avec. Allez, ça rentre, mesdames, messieurs, avec toujours autant de rapidité, avec le numéro 67. De la Midinier était somme toute assez bien classé. Regardez la toute de bleu vêtue, elle s'est rapprochée parce que son fils arrive. Nous allons d'abord accueillir Anthony Champeau. Elle en fait un peu fort avant. Allez, pour les encouragements, c'est maintenant sur la minute. Christophe. Et inquiétez-vous aussi. Il arrive, et ça va vite. Et ça va même très vite dans l'enfilage des petits virages. Il fait partie de l'écurie Chrono Plus sur sa 206. À 310. Le 5. Alors que Roland Husson se prépare avec sa Renault 5. Jam s'amuse, hein, il n'est pas là pour faire des conneries. Et là, vous voyez évoluer, c'est un très bon coup de poing. Allez, on va retrouver la Midinier Thorin. Alors, Fabrice de Jacques, mesdames, messieurs, voici notre dauphine. Ça va commencer à accélérer avec l'Alpine à 310 de Michel Babilo. Allez, 741, c'est le numéro de loi. Allez, vous pouvez prendre quelques photos parce que ça va commencer à accélérer. Avec la voiture de Jean-Baptiste. Et sur les notes qu'on veut bien nous envoyer, je peux vous dire qu'il y a des surprises parfois. Allez, on va regarder un petit peu les temps, alors que ça va continuer à arriver. Allez, je peux vous assurer que c'est quand même chaud. Olivier. Bon, allez, 28 pour. On retient 48, c'est très bien. Allez, la 26 de Philippe. Et mesdames, messieurs, vous n'avez pas à les encourager, les saluer parce que c'est. Allez, on fait le spectacle. C'est plutôt pas mal. Patrick Hutter qui fait un bon boulot aujourd'hui et qui se régale. Allez, c'est le moment de prendre des photos parce qu'on s'approche du costaud. Regardez maintenant avec la numéro 23 de. Le voici, mon Hervé Barbeau. Céline Berton. Pauline Berton. Et regardez qui arrive, la Caterham Seven. La Caterham Seven, c'est la petite. Oulololol. Puisque. Allez, c'est maintenant. Allez, Tony, lui, il fait le feu. Ah ben, elle considère sa victoire chez les femmes.
60e. Les trois premiers peuvent prétendre améliorer le score sans aucun souci. Lui qui était recordman du circuit. Eh bien, il attaque. Eh bien, il attaque, Julien. Il attaque, regardez-le. On a pris des risques. Pour aller essayer de faire la différence. Allez, le voici, Gaël. Gaël qui devrait envoyer du lourd également. On n'a pas été à la faute aujourd'hui pour ces pilotes. Regardez-le. Ça passe vite. Le virage, il est compliqué. Et c'est en ce folie. Le nouveau record de piste, il sera là. Allez, pour l'instant, avec.